Le problème ici avec le barbecue, c'est la topographie des lieux, avec cette interface entre la forêt et les habitations. Dans la pratique, les propriétaires d'habitations en interface ont à l'esprit le risque du feu subi, le feu qui viendrait de la forêt vers l'habitation, et oublient un peu trop vite le risque induit, c'est-à-dire eux risquent de mettre le feu sur cette interface qui est la forêt. Alors, du point de vue du risque, on est devant l'objet quasi idéal. On a un barbecue en dur avec une cape pour éviter tout ce qui va être partie incandescente, une grille intérieure qui va éviter justement aux brandons de remonter dans le conduit, et on est sur quelque chose de très stable qui vont éviter les risques de brûlure pour les personnes qui vont l'utiliser. Ce barbecue, c'est qu'il est accolé à une façade, donc sécurité supplémentaire, non prise au vent, et ensuite le tirage se fait avec quand même un écrin. Il est implanté sur une aire bien dégagée, bien débroussaillée, sans aucun risque particulier, avec son point d'eau à proximité, donc l'endroit idéal pour passer un bon moment. Les dangers de l'allumage, bien sûr, c'est qu'on amène du feu, donc source de chaleur, source de danger. Les deux méthodes traditionnelles, la méthode toute simple, allumette, un morceau de papier, on prend son temps, on est censé avoir le temps. Ou les accélérateurs, attention à l'accélérateur, gros danger, si on en met beaucoup trop, risque de brûlure, risque de projection. Pour l'extinction, ce que je vous conseille, plutôt que de projeter de l'eau avec tous les risques que ça peut comporter pour les brûlures, c'est simplement le couvrir avec une plaque métallique. Si vous avez une à disposition, vous le couvrez avec une plaque métallique et l'extinction se fera seule et naturelle. Avec ce type d'appareil mobile, beaucoup de dangers. Les points noirs pour ces appareils mobiles, en premier, la stabilité. L'appareil qui est très peu stable, risque de renversement, risque de brûlure, risque de transmission du feu. Deuxième point de ces appareils, c'est le remplacement. Aujourd'hui, on voit qu'il est au milieu d'une zone qui est enherbée, prête à prendre le feu, sous un arbre, pour être bien à l'ombre, mauvais endroit. Troisième point, le manque d'espace autour, et bien souvent, inconsciemment, on met les accélérateurs à proximité, et lorsqu'on a les accélérateurs à proximité, risque de brûlure, risque de conduire le feu à l'extérieur du barbecue. Dans le département de l'Hérault, totalement interdit de l'utiliser en forêt ou en espace public. Il est réservé à un usage domestique dans son habitation avec encore plus de mesures de sécurité qu'un appareil fixe.